Bonjour à tous. Alors, je vous présente un petit support que j'ai adapté pour monter sur un pied télescopique que j'ai. C'est un pied télescopique pour un niveau laser qui est réglable sur plein d'axes. Et donc, je me suis dit que ça serait vraiment pratique pour fixer mon téléphone, pour pouvoir filmer justement. Donc, ça se démonte comme ceci. Bon, pas évident, voilà. La pièce imprimée, c'est celle qui tient le téléphone ici. Je vous la présenterai en détail après. Là, je voulais juste vous montrer là, de manière générale, comment ça fonctionne. Voilà la pièce originale, en fait, qui se fixe comme ceci, avec la petite canne. Voilà. Une fois qu'on la bloque, c'est bloqué, ça ne bouge plus. Donc, il m'a suffi refaire cette pièce de manière à ce qu'elle puisse s'adapter sur le support de téléphone. La pièce rouge ici que vous voyez, celle qui a été refaite. Et puis par contre, le support de téléphone, c'est quelque chose que j'ai adapté pour pouvoir justement utiliser le téléphone et qui était sur Thingiverse. Je vous le replace. Cam ici, voilà. Et voilà, fixé, impeccable. C'est plutôt avec ça que je pivote normalement. Je n'ai pas vissé à fond. Voilà, et en fait, on dévisse cette petite partie pour pouvoir enlever son téléphone. De l'ABS toujours. J'utilisais deux couleurs. Et je vous montrerai donc la partie suivante, l'assemblage et le détail de chaque partie. Alors, voilà les pièces qui constituent donc l'objet. Vous avez ces deux glissières qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Vous avez une tige filetée qui a été imprimée. Un petit bouton, une petite molette dans lequel viendra s'insérer cet écrou, enfin cette tête de vis, et puis un petit écrou. Donc les tailles des écrous, c'est du M5. Ensuite, ça c'est ce que la pièce que j'ai faite pour l'adapter sur mon pied télescopique. Ça, c'est pour fixer la partie coulissante sur le plateau. Donc, tout simple, hein, il suffit d'insérer ça comme ceci. Alors, on glisse ça, puis la tige filetée et l'écrou. Donc on aligne voilà. On n'a plus qu'à visser. Et là, une fois qu'il est dedans, le visser pour le bloquer. Voilà, il est bien enfoncé à l'intérieur. À partir de là, ça coulisse. Donc là, je suis en train de le fermer. Et pour ouvrir. Alors, par contre, il faut bien le bloquer ici à l'intérieur. À la rigueur, il faudrait un petit point de colle, mais là, moi, je pense, comme je vais passer dans avec une vraie tige filetée, je le colle pas pour pouvoir le redémonter facilement. Voilà. Et ensuite, donc la fixation ici se fait comme cela. Et j'insère tout simplement mon écrou ici. Là, je suis en M6 cette fois-ci.
Et voilà. Psst, désolé, économie d'énergie. Voilà, donc je peux bien le serrer. Et voilà. Alors, il ne reste plus qu'à insérer le téléphone. Le serrer. Alors, attention, c'est une petite huile en plastique, on ne serre pas trop fort, on serre juste de manière à ce que ça ne bouge plus, ça ne tombe plus. Voilà. Et ensuite, on peut positionner sur le pied. On va essayer de faire ça à une main. Normalement, je le fais à deux mains. J'ouvre, je le rebloque. Et voilà. Il est fixé. Et j'ai maintenant la possibilité de le régler. Ok, pour pouvoir filmer. Cette fois-ci sans vibration. Parce que toutes les vidéos jusqu'à maintenant étaient faites avec vraiment pas mal de vibrations. J'ai même une petite roulette qui me permet de régler la hauteur. Donc voilà, ça va être bien pratique. Plus intéressant. Donc voilà, merci, à bientôt.